Université virtuelle du Sénégal 2013, bataillon du Yogi Sunukal. Étudiant UBS, Jum Tuka UBS ABS. Et nos bodem amna djang, t'es sorti du fesse. Kounyu Hamul, Denyu Wowe, les futurs leaders. UVS, innovation, Bati Saint-Birker. Fonek ou Fofula. Je m'en vais d'avoir salué monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, le professeur Amadou Diomnière, monsieur le coordonnateur de l'Université virtuelle, mesdames et messieurs les directeurs de l'Université, mesdames et messieurs les amis fraternels et non, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les tuteurs, chers partenaires sponsors de l'événement, chers parents, chers présidents de bureaux respectifs, mesdames et messieurs les étudiants, chers membres et sympathisants de la coordination régionale des espaces numériques du Val de Dakar, qui veut soit. Auguste Assemblée, j'introduis mon discours par un mot de bienvenue que j'adresse aux bacheliers qui viennent d'être orientés à l'Université virtuelle du Sénégal et qui aujourd'hui je félicite et vous souhaite une excellente année académique à nos côtés. Mesdames et messieurs, c'est avec fierté et honneur incommensurable que je m'adresse à vous à l'occasion de ces cérémonies officielles qui nous réunit et qui est un événement socio-pédagogique et historique pour la famille étudiante de l'Université du Sénégal. Je tiens à vous dire combien j'apprécie votre présence à cette manifestation qui nous rapproche, nous amène à échanger sur le système d'enseignement de notre institution. Mesdames et messieurs les étudiants, chers bacheliers, chers bacheliens, en tant que camarade, je vous tends une main amicale et vous témoigne mon soutien et ma disponibilité. Et en tant que diplômé de l'UBS, je vous exhorte à vous approprier le modèle d'enseignement de l'Université virtuelle du Sénégal, qui est cet nouveau pour vous. Je vous invite à faire vôtre le conseil de Sénèque, à savoir, réfugie-toi dans l'étude, tu échapperas à tous les déroutes de l'existence. La nuit du jour ne te fera pas soupirer après la nuit et tu ne seras pas une charge pour toi-même et inutile aux autres. Le maître mot, c'est la volonté. C'est ce qu'avaient compris les premiers étudiants de l'Université virtuelle, aujourd'hui diplômés, à qui je rends un vibrant hommage au passage. Vous représentez toutes et tous ici le travail, l'activité collective, l'engagement associatif et aussi le mouvement estudiantin. Vous exprimez l'ensemble des énergies à l'œuvre de notre université. Vous êtes le commencement. C'est ce qui fait votre force et je dirais votre légitimité. Voilà pourquoi le titre du trophée des pionniers vous est décerné en guise de reconnaissance et de gratitude. En effet, vous devez être écouté et honoré. Dans ce sens, je puis vous dire que le choix du thème de cette journée est intéressant. L'étudiant au service de sa communauté. L'émergence des mouvements associatifs nous prouve, jour après jour, que la société civile entend s'impliquer davantage dans la transformation de notre pays. Cependant, qui est mieux placé que l'étudiant pour cultiver la solidarité, pour comprendre les mots de ses semblables et pour tendre la main à son tour? L'activité collective chez les étudiants est à double jeu. Là, il règle le besoin d'appartenance de l'individu et fédère les énergies. Ces énergies créatrices qui font de notre développement culturel, économique et social. Manifestement, le service à la communauté est un maillon essentiel. Je dirais même qu'il participe à notre formation dans la mesure où il nous apprend à relever les défis qui interpellent notre société. En tant que dirigeant de demain, il nous procure une ouverture d'esprit et nous amène à de nouvelles opportunités. Chers camarades, ceci est donc une invitation de ma modeste personne à votre égard. Je vous incite à tous à vous socialiser, à rejoindre la vie associative de notre université, à œuvrer aux synergies du service de nos communautés respectives dans nos pays en général. C'est dans cette optique que France Panou disait, dans son immense œuvre intitulée Les Damnés de la Terre, je cite, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. L'accomplir pour la trahir. Fin de cette citation. Monsieur le directeur de la
Monsieur le directeur de cabinet du ministre, cher professeur Ndiaye, les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal par ma voix sollicitent au sein de votre ministère et au ministre en particulier et à ses collaborateurs une prise en charge médicale pour les apprenants de l'Université virtuelle du Sénégal d'ici et d'ailleurs. De l'équipement pédagogique et des bus pour faciliter la mobilité étudiantine. Des ambulances pour répondre aux urgences médicales comme l'ont bénéficié les autres universités. Des outils de travail de qualité pour suivre une bonne formation de qualité. De la connexion insuffisante pour permettre aux étudiants de mieux faire leurs recherches. Monsieur le coordinateur de l'Université virtuelle du Sénégal, Monsieur le coordinateur adjoint, Madame la directrice de la Ligue de la planification, Monsieur le directeur des Zénon, de la DERI, DEFI, chers membres du personnel administratif de l'Univers, Mesdames et Messieurs les habitants des Zénon, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les tuteurs, permettez-moi de vous dire, en tant qu'ancien et destinataire d'une espérance, de porter la voix des sans-voix pour parler comme MSSR en terminant mon propos. Monsieur le coordinateur adjoint, à ma qualité de représentant, je lance un plaidoyer en faveur des étudiants diplômés qui sollicitent auprès de votre haute autorité un accompagnement à leur insertion professionnelle. De surcroît, les étudiants de l'Univers souhaiteraient que vous remédiez ou bien vous poursuivez votre œuvre que vous êtes en train de faire pour rattraper toujours notre institution et qui ont des répétitions sur le calendrier académique. Enfin, quiconque honore et honorait, disait Balthazar Blassien. Je ne saurais terminer sans remercier les parrains et les marraines. Et je vous citais à ce titre le professeur Amadou Tidiane, le professeur Mohamedou Mansoufoué et notre très chère marraine, Madame Aminata Diagne. Sans l'inquiétude, ce dernier n'aurait pas eu lieu. Je félicite aussi pour mon équipe pour le travail considérable abattu afin de réussir le pari de l'organisation et des journées. Pour ma part, en vous renouvelant mes voeux les plus chaleureux et les plus sincères, je vous exprime ma confiance et mon estime. Je vous remercie. Merci. Vous ne savez pas ce que c'est que l'enseignement à distance. Pour moi, est-ce que mon père l'enseignement à distance? Il y avait tout un nombre d'interrogations qui étaient réunies. Et vous vous rappelez que le discours que je portais auprès des jeunes dont Paul fait partie, c'était de vous dire, faites-nous confiance. La confiance n'est pas quelque chose d'aveugle que l'on donne, comme un certificat de satisfaction. Cette confiance elle était basée sur la compétence et la qualité de ceux qui géraient les listes de l'UVS, qui savaient où elle allait, qui savaient ce qu'il fallait faire pour que ce ne soit pas un projet moyen, et qui savaient ce qu'il fallait faire pour que vous ne soyez pas des corailles contrairement à ce que vous avez souvent entendu. Je sais que pour les jeunes, cet exercice a été très difficile, parce que déjà au sein de leur famille, il fallait qu'ils trouvent des moyens d'expression par rapport à la défiance même de leurs parents par rapport au système de l'UBS. Que deux filles sont venues nous voir pour nous dire « Ma mère ne comprend pas que je sois à la maison alors que je suis étudiante. » Beaucoup de gens ont fait l'amalgame en pensant que comme c'est une université virtuelle, tout est virtuel. Alors vous avez vu qu'il n'y a rien de plus physique à l'UBS que justement ce qui se fait. Et ça, c'était très important. Et à partir de ce moment, la posture des étudiants de l'UBS a commencé à prendre une dimension nouvelle. Nous avons fait comprendre aux étudiants de l'UBS que cette université était plus qu'une nouvelle université. C'était une université nouvelle. Et que eux n'étaient pas du nouveau type d'étudiants, ce sont des étudiants de type nouveau. Faites bien attention à la nuance. En ce sens que nous étions dans un... Au nom du coordinateur adjoint, au nom de la direction des espaces numériques ouverts de l'UBS, au nom de la division de la vie étudiantine qui aujourd'hui porte cette activité, je voudrais féliciter et remercier les étudiants de l'UBS pour l'esprit d'initiative qu'ils sont en train de faire montre en initiant ce qui est aujourd'hui une cérémonie officielle mais qui n'est que la clôture de 96 heures. La première journée est apportée sur une journée sportive dont le parrain était l'ancien directeur. Au moment du match final, on a eu beaucoup d'émotions. Et je n'arrêterai pas de leur dire, on a senti un ancien manager fier de ses produits. Et ces moments, nous en avons besoin. Hier, au moment de la plaidoirie, où
le directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, Étienne Le Palais, pour sa rédigée. On a vu du potentiel et du talent chez les étudiants. Il y avait quand même quelques limites. Et justement, l'exercice et la rubrique pédagogique, il fallait pour que les étudiants de l'ES se rendent compte que le talent seulement ne suffisait pas. Que pour faire rayonner leur institution, il leur fallait à un moment donné se détacher de ce qu'ils ont déjà acquis. Résoudre les faiblesses qu'ils ont, qu'on en a tous et toutes, mais surtout aller vers la performance. Et les paroles que nous avons dites hier, entre nous, moi qui suis membre, et je le dis actionnaire dans le sens de mobilisation au sein de l'Union de Dakar, qui a porté son choix sur ma personne, nous allons travailler à partir de maintenant sur le côté de la pérennité avec une équipe d'anciens débatteurs internationaux, anciens deux débatteurs que l'on a eu la chance d'avoir par le biais du professeur Jean-Louis Kamela. Merci à vous d'avoir pensé à ça et merci aussi à M. Grand-Soufeuille d'avoir accepté et de venir participer à cette fête. L'autre joie que j'ai aussi, c'est de retrouver le directeur de cabinet, M. Amoudine Gaï, qui a été coordonnateur de l'UGS aussi et qui a cheminé dans le début avec cette université et qui aujourd'hui se trouve à une posture où il pourra encore toujours aider l'UGS à rayonner. C'est donc un grand plaisir d'avoir ces deux grands hommes ici présents aujourd'hui au profit des étudiants. On peut les remercier. Merci, messieurs. Remercier Mme Sina. Honnêtement, Babs, comme on a plaisir de le dire, est une dame incroyable. Je l'ai dit parce qu'elle n'est tout pas mon bureau. Chaque fois, elle vient me voir. Attends, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais pour qui? Au profit que des étudiants. Elle a sa direction. Elle a sa direction. Mais elle est comme si elle était de la de nous. Merci Dabs pour ça. Merci aussi d'avoir accepté d'être la présidente du comité d'organisation des élections. Vous savez qu'on vient de finir un processus. Tous les anciens présidents de Benoît ont terminé leur mandat au mois de décembre. On a organisé aussi les élections de renouvellement et on a constaté quelque chose d'extraordinaire. On a tenu des élections qui se sont passées de la manière la plus transparente et la plus célèbre de tout le Sénégal. Université virtuelle du Sénégal 2013, Bataignon Guillaume qui sous nous gale. Étudiants UBS, Jumtuka UBS ABS. Et nos bodem amna djang te sarti du fesse. Kounyou khamoul de nous wowe les futurs leaders. UVS, innovation, bâti sen birkeur. Pour ne que fofou la, n'y pla jok sen tjeur. Amoul village wala town, fou la mer djel kour. Professeur, ay tuteur, n'y pousse la famille. Collectif y donne, ben ne demande ay ami. Sénégal, dafa soxla ndaw yu nango jang. UVS, di len forme ci kaw ndank ndank. Dara xeyul rek neex nañ ko gëm te tok. UVS, doxul ñi koy wax dañ ko fo. Mais ñun de ñewuñ kenn ñu koy takkalé. U soba yalla dina leer doono duñu xalé. UVS suñu wéru wa a gëm nañ ko moy suñu yaakar wa a. De ce fait donc, réclamons justice, rétroactivité, un droit pour tous, la seule université moderne du Sénégal. On fait cours avec des ordres, mais pas de haine. T'as pas besoin de ta rêve pour gagner ta place. Même à la maison, on peut suivre les rencontres en place. Faut n'est que Fofula, slogan des leaders. Apprenons en silence et battons le record. Croyons au destin, il réserve le décor. Réponds pas aux préjugés, il nous tarde, c'est l'heure de montrer qui nous sommes et de quoi on est capable. UVS, elle m'enseigne, elle me rappelle les femmes. Je crois pour la vie, nous mangeons ses fruits. Pour que le respect nous revienne, on va faire. Tout le secrétaire du Sénégal, tout le secrétaire du Sénégal, mais
Besoin de sa torche, UVS, lumière, avenir, destin. Je compte sur toi pour embellir mes fins. UVS, Sunyuwerua, Gomenko, Moi, Sunyuyakarwa. Oui, merci. Je suis venu sur l'invitation de mon ami Tidiane Gueye, le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur, qui est un ami de plus de 40 ans. Et c'est sur son invitation que je me suis présenté ce matin à vos droits. Mes impressions, c'est je suis venu. Je ne savais pas de quoi ça retournait. J'ai écouté, j'ai entendu et je suis impressionné et mais surtout rassuré. Rassuré par d'abord la composante estudiantine dans toute sa responsabilité. J'ai vu des gens responsables, j'ai vu des patriotes engagés pour l'enseignement, pour le devenir de ce pays. Je pense que c'est un motif extrêmement important de satisfaction pour moi. Le monde bouge. Ça m'a rappelé mes débuts 30 ans avant, en tant que jeune étudiant, qui a fait tout son parcours ici au Sénégal, de l'école primaire à l'université. Nous n'avions pas ces moyens modernes qui sont mis à votre disposition, les outils technologiques, l'Internet. Nous n'avions donc que nos coups, des amphis bondés. Et pourtant, à force donc de persévérance, nous sommes aujourd'hui à cette station de travail que nous occupons aujourd'hui. Vous avez cette chance d'avoir un monde ouvert, de vivre dans un village planétaire. Vous avez donc tous les atouts, vous avez la jeunesse, vous avez le talent, l'espoir. Il appartient aux autorités, en tout cas, de vous accompagner dans ce devenir pour que le Sénégal soit ce pays émergent que nous attendons tous. Mais avant tout, un immense plaisir, celui d'avoir retrouvé les anciens étudiants de l'UVS, en tout cas ceux avec lesquels j'ai à traiter lorsque j'étais à l'UVS. Donc une grande fierté de voir que l'UVS fait son chemin et de voir que cette génération que j'appelle la génération du commencement est en train de prendre son envol à travers le monde. Je suis convaincu que l'UVS est en de bonnes mains et qu'elle est en train d'aller de l'avant. Je pense que ça, c'est évident de le dire. Et c'est satisfaisant de le constater. Oui, les premiers sentiments, c'est à la fois un sentiment de satisfaction. De satisfaction de voir des étudiants qui ont été orientés à l'Université virtuelle du Sénégal venir à l'occasion de cette cérémonie, se présenter pour nous dire qu'ils ont eu leur diplôme. Un autre sentiment aussi, c'est un sentiment
d'encouragement qui tend à accréditer l'idée que le chemin que nous avons choisi est le bon chemin. Le dernier sentiment aussi, c'est vraiment un sentiment de grosse émotion qui voit des générations d'étudiants qui sont entrés à l'UVS avec une mentalité d'élève et qui en sortent littéralement adultes avec un comportement de responsable qui leur donne la capacité d'organiser ce type de cérémonie. J'ai été particulièrement satisfait par l'accueil des étudiants, à la fois pour moi-même et pour l'ensemble de la délégation qui m'accompagne, les membres de ma famille et mes amis qui sont venus avec moi se présenter ici pour rehausser de leur présence cette grande cérémonie d'intégration des universités, de l'Université virtuelle du Sénégal. Université virtuelle du Sénégal, 2013, Bataignon Guillaume qui sous nos gars. Étudiants UBS, Jum Touka UBS ABS. Et nos bodem amna jang te sarti du fesse. Kounyu Hamul de New Wave, les futurs leaders. UVS, innovation, bâti sen birkeur. Pour ne que faux foulagne, bla jor center. Amul village, wala town, foula ner, j'ai le coup. Professeur, aïe tuteur, n'y pousse la famille. Collectif, y donne, ben demande, aïe ami. Sénégal, de fois, sohlandaw, y nango jang. UVS, dilen formé, qui kondank ndank. Dara xeyul rek neex nañ ko gëm té tok UVS doxul ñi koy wax dañ ko fo mais ñun de ñewu kenn ñu koy takkalé bu soba yalla dina lèr doono duñu xalé UVS suñu wéru wa gëm nañ ko moy suñu yaakar wa de ce fait donc réclame justice wa rétroactivité, un droit pour tous la loi. Seul univers moderne du Sénégal, on fait court avec des ordres, mais pas de haine. T'as pas besoin de ta rêve pour gagner ta place. Même à la maison, on peut suivre les rencontres en place. Faut n'est que faux là, slogan des leaders. Apprenons en silence et battons le record. Croyons au destin, il réserve le décor. Réponds pas aux préjugés, il nous tarde, c'est l'heure de montrer qui nous sommes et de quoi on est capable. UVS.